Bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo où tout simplement on va regarder vos énergies signe par signe pour cette semaine, donc pour la semaine du 29 avril au 5 mai inclus. Je me répète et je ne cesserai de me répéter, ne oubliez pas que ça reste une interprétation générale, ok? Donc, si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, eh bien écoutez, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus, ok? Malheureusement, le tirage ne pourra pas parler à tout le monde, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental ou les deux. J'essaie de faire au mieux, hein, que au moins que ça puisse vous résonner en vous et vous permettre en tout cas d'avancer malgré peut-être des difficultés que vous pouvez rencontrer à l'instant T. Ok, je m'arrête là. Merci infiniment pour vos likes, vos commentaires, vos messages privés qui me touchent infiniment. Et surtout, n'hésitez pas à me soutenir en likant, bien sûr, et en commentant les vidéos. Allez, je m'arrête là et puis on est parti signe par signe. À tout de suite. Mes chers scorpions, on est parti. On va aller voir un petit peu vos énergies pour cette semaine, donc du 29 au 5 mai inclus. J'espère que vous allez vraiment, vraiment bien de votre côté, que tout se passe bien malgré les énergies quand même assez lourdes au niveau des planètes. C'est loin d'être la joie, je vous le cache pas. Qu'est-ce que nous avons qui sont tombés ? Les démarches administratives, le passé, schéma, éducation, croyance, ancrée. C'est l'oracle 111, si certaines personnes me le demandent. Donc peut-être qu'éventuellement pour vous cette semaine, mes scorpions, vous allez devoir gérer des documents, gérer des choses à distance. C'est comme si je vous voyais vraiment sur l'ordinateur. Alors est-ce qu'il va y avoir des documents administratifs que vous allez devoir régler par rapport à un passé, peut-être par rapport à quelque chose en lien éventuellement, pourquoi pas, à une relance ou à des rappels, hein. C'est comme si pour moi cette semaine vous alliez vraiment avoir des papiers à gérer, de la communication, c'est comme si je voyais vraiment à distance régler quelque chose. Peut-être pas pour vous directement, hein, mais c'est comme si peut-être c'était vous qui reprenez un petit peu le flambeau et que vous allez gérer quelque chose pour quelqu'un. Ok, qu'est-ce que nous avons? Début, nouveau départ. Oh, travailleur indépendant, auto-entrepreneur. Ah, est-ce que pour certaines personnes, justement, vous n'allez pas enclencher des démarches pour vous mettre à votre compte cette semaine? Ou du moins, vous allez vous renseigner éventuellement pour pouvoir éventuellement peut-être créer votre activité. On voit qu'il y a des obstacles passagers, réajuster et continuer. Ok, qu'est-ce que nous avons encore? L'arrogance, crâneur, zèle, fierté mal placée. Ok. Oh, aptitude, don. Allez, je tire une dernière carte pour vraiment faire 6. Contrat, signature, acte officiel, engagement. Bon, en tout cas, les choses sont sérieuses pour vous cette semaine. Prise en main, discipline, force, endurance, ténacité. Vous allez en tout cas, cette semaine, être dans cette dynamique où vous allez être dans l'action, dans la concrétisation. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que si vous le souhaitez peut-être éventuellement vous mettre à votre compte que cette semaine vous allez régler des papiers ou tout simplement vous êtes déjà à votre compte et que cette semaine vous allez devoir gérer des papiers qui n'étaient pas prévus, ok? On voit qu'effectivement il y a quelques obstacles qui risquent de survenir. Alors est-ce que c'était une facture qui n'était pas prévue au programme ou tout simplement vous allez avoir une relance d'éventuellement quelque chose, ok? Pour d'autres personnes, on voit qu'effectivement c'est comme si pour moi peut-être début mai vous commencez un nouveau travail, comme si vous aviez vraiment tourné une nouvelle page et que vous repartez sur une page vierge tout simplement. Et je parlerai même que pour certaines personnes, vous êtes en tout cas dans cette force avec vos capacités, peut-être vos dons spirituels, peut-être éventuellement votre créativité qui est vraiment innée, qui est vraiment présente. On sent que cette semaine vous allez vous en servir beaucoup et je parlerai même peut-être que si vous êtes à votre compte, est-ce que cette semaine vous avez prévu, du moins en tout cas dans cette être activité, d'utiliser vos capacités. Et pourquoi pas pour d'autres personnes, est-ce que si vous êtes déjà dans le salarial, vous allez vous mettre à votre compte ou du moins vous allez faire les démarches pour pouvoir vous mettre à votre compte afin justement de vivre de votre art, de votre créativité. Attention tout de même peut-être parce que soit vous allez rentrer dans une dynamique où tout vous sourit, tout arrive à vous comme une lettre à la poste, donc une lettre à la poste, pardon, mais faites quand même attention à cette forme un petit peu de
fierté ou d'ego qui risque peut-être d'être un petit peu présent cette semaine, d'accord ? Bon, il va y avoir peut-être un petit nuage qui va survenir durant la semaine. C'est pas inquiétant, je dirais, c'est pas trop dramatique dans le sens où la semaine va se passer quand même plutôt paisiblement, même s'il y a, il va y avoir pas mal de papiers, pas mal de signatures, pas mal d'échanges de téléphones que cette semaine vis-à-vis éventuellement, pourquoi pas, à des actes, à des contrats ou tout simplement en lien avec ce nouveau départ également. Ok ? Allez, de toute façon, on va aller voir avec Madame Aimée. On va voir qu'est-ce qu'elle veut nous dire également. Allez, c'est parti. Hop, pour les scorpions du 29 au 5 mai, s'il vous plaît. Le destin. Ok. Ok, alors est-ce que peut-être pour certaines personnes, effectivement, vous partez en formation, vous allez peut-être justement avoir un choix important à faire, ou du moins que vous êtes arrivé éventuellement peut-être à une fin de disponibilité dans votre activité professionnelle et que là vous allez avoir un choix important à faire incessamment sous peu pour savoir est-ce que vous revenez en tant que salarié ou est-ce que vous restez à votre compte. Ça c'est fort possible également. Hein. Mauvaise perspective. Ok. Allez, on continue s'il vous plaît pour les scorpions. 29. L'institution. Ouais, pour moi, il va y avoir des échanges. Moi, il y a des échanges qui arrivent. Hein. Il y a vraiment des échanges par rapport à votre voie professionnelle, par rapport même, je dirais, à votre vie en général. Vous allez vraiment, vraiment discuter avec des gens, se débarrasser de quelque chose avec certitude. Ok. Bon. L'ajournement et le commencement. Ok. Bon, mes scorpions, effectivement, par rapport... Et on voit l'alliance. Bon, on pourrait parler de divorce, hein, vu comment c'est institué, enfin, vu comment les cartes sont positionnées et vu qu'on sort quand même le divorce à côté de l'institution avec la certitude et l'ajournement, c'est comme si là, il y avait une libération qui se faisait. Hein. En plus, on vous dit que vous vous débarrassez de quelque chose. Moi, je dirais vous débarrassez d'une vie peut-être passée qui ne vous convient plus, que vous êtes vraiment arrivé à un moment où là, les choses sont vraiment en train de se mettre en place et que le choix sera crucial pour votre avenir, ok ? Pour certaines personnes, je vois également que soit si vous êtes à votre compte, c'est comme si vous alliez prendre un choix très important pour votre futur au niveau professionnel, ok ? Ok, par contre, attention, parce que c'est comme si pour moi, quelqu'un allait un petit peu être autour de vous, du moins faire en sorte de vous déstabiliser afin que vous peut-être, vous ne sachiez plus trop quel choix faire ou du moins vous un petit peu... vous parasitez par rapport à ce que vous avez envie d'entamer. On voit cette alliance, on voit vraiment cette union, pour moi, qui est en train de se terminer. Je parlerai parce qu'on voit vraiment quelque chose qui se termine. Pour moi, c'est, je vous ressens, hein, pour les personnes en tout cas qui sont dans ce cas de figure, comme si là, vous étiez prête à continuer votre chemin, peut-être seul ou du moins avec une personne ou tout simplement avec vous-même, dans une atmosphère avec des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus saines et beaucoup plus aériennes, ok ? Moi, j'ai vraiment, on voit bien, hein, de toute façon, que peut-être que voilà, vous allez avoir des nouvelles cette semaine par rapport au tribunal, par rapport à une décision de justice. On vous dit qu'effectivement, ça va vous permettre de vous sentir mieux et surtout, ça va, comme je vous l'ai dit, vous permettre de vous éloigner de quelqu'un qui n'a plus rien à faire dans votre vie actuellement. Ok, on vous dit bien que vous recommencez quelque chose, il y a un commencement, il y a vraiment voilà, un nouveau chapitre ou une nouvelle page qui est vraiment en train de s'écrire. Donc éventuellement, pourquoi pas, certaines personnes, vous cassez un contrat, vous quittez votre activité professionnelle pour recommencer une autre ou tout simplement vous vous mettez à votre compte. Ok, c'est plutôt pas mal parce qu'on voit cette alliance. Alors peut-être que vous allez être à même hein, voilà, de discuter avec d'autres personnes, peut-être de vous allier avec celle-ci pour pouvoir créer quelque chose ensemble. C'est comme si pour moi, ça allait être une révélation même pour certaines personnes. Ok ? Et on vous dit bien avec certitude que les choses bougent. Ok ? Que les choses sont en train de se mettre en place et que ça va laisser place surtout à une très très belle ouverture. Ok ? Allez, on va aller voir avec le Béline pour voir qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers et tendres scorpions. Allez, pour les scorpions du 29 avril... au
au 5 mai, s'il vous plaît. Allez, du 29 avril au 5 mai. Du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît. Allez, trahison. Regardez. Allez. Il y a la lune en plus. Il y a la lune. Ok. La méchanceté, vous avez les honneurs. Ok. Toga triomphe quand même hein, sur cette procédure, ou du moins sur des échanges un peu houleux, un peu complexes. Hein. On voit que vous arriverez à vous en sortir. Et on voit ce départ qui est imminent. On voit vraiment, regardez, ce départ par rapport à l'union, par rapport à la méchanceté. Effectivement, moi je parlerai hein, pour certaines personnes sentimentalement. Peut-être que là, vous vous séparez d'une relation qui n'est plus faite pour vous. Et on voit effectivement que c'est la fin. Ça se termine. Ça se termine. Moi, je pense que c'est même peut-être terminé depuis un petit moment, mais que cette semaine, les choses s'actent définitivement. On vous parle de réussite sur ce départ. Ça a mis du temps, il y a eu du retard, il y a peut-être eu des prises de conscience, il y a peut-être eu voilà, des choses qui se sont passées. Et on voit bien que c'est en lien avec un homme ou avec une femme. Vous prenez en fonction de votre situation, vous voyez que ça a été beaucoup dans la constance. Et on voit le trafic. Ok, peut-être qu'effectivement, même à un moment donné, ça a été plus compliqué que ça avec cette personne-là. Et que là, aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça y est, il est temps vraiment de penser à vous. Et surtout, mais également de vous mettre en sécurité éventuellement pour d'autres personnes. Moi, je sens que là, vous terminez quelque chose avec cette personne-là. Alors, ça peut être très bien sentimentalement, mais ça peut être très bien également amicalement, hein, que vous coupez carrément les ponts parce que vous savez que cette relation est plus que toxique plutôt qu'autre chose, et que vous reprenez vraiment cette vie en main, et que cette fois-ci, vous laissez en tout cas les belles personnes rentrer à vos côtés. D'accord ? On vous dit quand même que par rapport à cette union, il y a eu beaucoup de blessures. Il y a eu beaucoup, moi je parlerai de honte également. Il y a eu vraiment, vous étiez meurtri, je pense. Hein, et que ça y est, c'est la fin vraiment, je dirais, des complications. C'est la fin vraiment de cette situation qui n'était plus du tout faite pour vous. Et je parlerai même de gloire. Je vois pas pourquoi, j'ai le mot en face de moi, donc je vais vous le dire. C'est comme si c'était vraiment votre gloire à l'heure d'aujourd'hui, que vous allez enfin pouvoir respirer et surtout vous sentir libre et serein, sereine. D'accord ? Parce que quand même, moi je pense que ça n'a pas été facile tous les jours. Ok ? Après, je parlerai même peut-être que professionnellement, pour certaines personnes, là, vous êtes un entre deux. Peut-être que pour certaines personnes, vous attendez un renouvellement de contrat parce que vous êtes actuellement CDD et que des fois, c'est inconstant. Des fois, on vous dit oui, des fois, on vous dit non. Et que là, on sent qu'il y a quand même quelque chose de positif qui se présente à vous. Donc, soit un renouvellement ou soit vraiment une stabilité. Moi, je ressens plus un renouvellement. C'est comme si vous appreniez cette semaine une nouvelle qui va vous permettre soit éventuellement de renouveler votre CDD ou tout simplement une nouvelle vous disant que vous êtes un coup de téléphone éventuellement pour vous proposer un autre poste ailleurs. Pardon. Ok ? Ça va bouger quand même. Hein. Quand même, les scorpions, préparez-vous. Mais c'est vrai que là, la séparation, la rupture... Elle est vraiment forte présente. Allez, on est parti du 29 avril au 5 mai. On a la lettre. Regardez, on a la clé. On a de nouveau la clé. Elle était sortie dans le Bélin. Il y en a le consultant, la consultante. Pardon, excusez-moi. Et on a la fin. Il y a pour moi, il y a une situation qui se termine pour vous, là. Il y a vraiment quelque chose qui se clôture. Oh, bah décidément. On voit les étoiles. Vos rêves vont se concrétiser. Vos rêves vont vraiment prendre forme, comme on peut le dire. Vos rêves vont vraiment. Regardez, il y a le contrat. Il y a le contrat. Regardez, vous avez le soleil magnifique. Vous avez le chemin. Et vous avez l'étoile. Non, c'est pas l'étoile, c'est la lune. Et vous avez l'amitié. Regardez, pour moi, il y a certaines personnes là que vous terminez une relation avec quelqu'un amicalement. Vous clôturez quelque chose avec cette personne. Elle est peut-être un petit peu plus âgée que vous. Hein, mais c'est comme si là, vous preniez la décision de vous mettre un petit peu au retrait vis-à-vis de cette relation. Ouais, parce que peut-être qu'elle est trop énergivore pour vous. Il y a quelque chose qui se termine. Suite à un courrier, suite à des nouvelles, on sent que vous
clôturer vraiment ce chapitre. Donc pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, éventuellement, peut-être que vous avez un jugement ou tout simplement vous avez un courrier actant la fin d'une relation sentimentale ou du moins d'une complication vraiment dans votre vie. On pourrait maintenant parler professionnellement hein, que ça y est, vous terminez votre contrat et que ça va vous permettre de voilà, vous sentir mieux et de repartir sur quelque chose de nouveau. On vous parle bien qu'il va y avoir un choix quand même assez important à faire incessamment sous peu par rapport à votre avenir. Donc pourquoi éventuellement, pour certaines personnes, on sent qu'il y a une envie de déménagement, il y a une envie d'aller reconstruire quelque chose ailleurs, ok ? Et on vous dit bien qu'avec cet anneau, le consultant, qu'après des complications, qu'après une période complexe, vous signez quelque chose, vous actez vraiment dans la matière ce que vous avez envie de mettre en place. Ok, donc pour moi, oui, c'est plutôt positif. Je dirais même pour vous, les scorpions, cette semaine, attendez-vous à des nouvelles assez intéressantes et prometteuses, vous permettant en tout cas d'aller de l'avant et de penser surtout à vous, au présent et au futur. Ok, je vais m'arrêter là. Prenez surtout bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.